Jeudi 12 mai 2016, à 19h, dans la salle des spectacles du site de Bégeville du CHIM, Centre Hospitalier Intercommunal de Melun-les-Mureaux, les syndicats représentant le personnel de cet établissement hospitalier ont présenté la loi Touraine, dite de modernisation de la santé, avec en fond les regroupements hospitaliers de territoire GHT. Cette réunion publique avait pour thème, ou plutôt sujet, la loi Touraine, l'avenir de l'hôpital public. C'est Franck Virginus, le modérateur de la soirée, qui a présenté les débats, les intervenants, avant de laisser la parole à ces derniers. On est là pour pouvoir changer et faire avancer le débat qui est un peu flou pour tout le monde, hein, aussi bien pour les professionnels que pour les usagers, le public. Nous avons fait appel à des intervenants et nous avons essayé d'échanger avec vous, hein, dans un deuxième temps. Dans un premier temps, nous allons faire agir les intervenants. Dans un deuxième temps, nous allons passer le micro et essayer de répondre aux questions. Hein. À ma gauche, j'ai monsieur Paul Séban. C'est bon, représentant de la coordination de défense de l'hôpital de proximité. Monsieur Denis, représentant départemental CGT. Monsieur Barbas, pédopsychiatre de l'hôpital de Poissy. À ma droite, j'ai monsieur Idrissa Bougnou. C'est un urgentiste de l'hôpital de Rambouillet. Et Madame Christelle Gavori, qui travaille dans notre établissement et qui représente les personnels. Moi, je suis M. Franck Virginus, qui représente également le personnel aux forces ouvrières au niveau de l'hôpital et au niveau du département. Plus d'une centaine de personnes sont venues assister à cette réunion publique, ce qui prouve que cette loi inquiète non pas que les syndicats, ni le personnel hospitalier et les médecins, mais aussi les usagers.